Et salut à tous et bienvenue pour la suite Corpse Party, chapitre 2. Dans le chapitre 1, nous avons réussi à tuer nos deux premiers persos. C'est magnifique. Va-t-on faire mieux dans le chapitre 2? Nous allons le savoir tout de suite. New game. New game ou continue du coup? Non, new game, hein. On fait new game sur le chapitre 2, c'est ça? Vous êtes sûr que c'est bien comme ça, ouais? Je ne sais pas. Vous voulez voir l'opening du chapitre 2? Ah oui. Je sens qu'elle sauvera absolument personne. Il y avait le bruit de corde. C'est horrible. Piouf. Ah, voyons que c'est lourd les équipements de gym. Pourquoi c'est pas les garçons qui font ce boulot? Il sait pas quelle fleur des quatre je suis, je sais pas quoi. De quoi? Oui, c'est New Game, oui. Je pensais que j'avais fait une connerie. Ah là là, quel cul tu as, ça y est, elle recommence. Quoi? Les miens, on dirait un canard, quoi. Attends, on parle du cul, là. J'ai un cul de canard, est-ce que ça se dit? Ouais, qu'est-ce que tu dis? Bon, c'est une discussion de filles, hein. Je traduis pas, mais c'est pas très très intéressant. Ah ouais, t'as des bonnes hanches pour faire les bébés, en gros, lui dit. Mais c'est super! Ah, je suis vraiment heureuse d'entendre ça. Une fleur délicate qui bouffe des ciseaux. Non, mais c'est le pire mort du monde, en plus, quoi. Ah, t'as beaucoup de qualité dans le mire. Tu seras génial avec des enfants. Oui, peut-être. C'est ça l'opening du chapitre 2. Super. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on nous remonte, on va se revoir mourir, parfait. Non. 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 Chapitre 2. Et du coup, on est vraiment morte ou pas? Je crois, hein. Maintenant, on joue Madame Shijido. Est-ce que c'était la voix de Nakashima? C'est Nakashima. Et elle criait. Non, c'était Naomi. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que je fais? Je peux pas laisser mes étudiants? Ah, on est avec d'autres personnes. Allez, pas bien, allez. Josaki, ça va aller, calme-toi. Mais vous l'avez entendu aussi. Sa voix a crié. Je pense qu'elle est en hyperventilation. Elle a besoin de respirer calmement pour que ça passe. N'hésite pas que je suis cette dame massive, je crois bien. C'est probablement pas une voix réelle. Je suis sûr que c'était quelqu'un d'autre. C'est peut-être Le bois qui travaille. Je suis là, ne me tue pas, s'il te plaît. Toi, t'es le blond, c'est ça? Je vais aller regarder si je peux trouver quelque chose. Vous deux, vous restez là, ok? Madame Shijido, attendez! Ne nous laissez pas! Shirozaki, arrête de m'emmerder. Ça ira, professeur, je garde un œil sur elle. Ok. Ou alors, ça serait mieux que vous restiez là avec elle et moi, je
je vais regarder. Non, je préfère aller voir. Je peux pas que vous me restiez en sécurité, et c'est moi qui. Je vais faire un tour. Ok, soyez prudents. Mais regarde, elle va bien. Voilà. Je compte sur toi, Kishi Noir. Pas de problème. Bonne mort. Ah, j'ai vraiment peur, mes jambes tremblent. J'ai aucune idée de ce que je fais, ma tête va exploser. Mon cœur bat contre. Ah, quoi? J'ai la nausée, enfin bref, elle est pas bien. Mais ici, ouais, c'était peut-être le cri d'un de mes étudiants que j'ai entendu. Mais tu vas trop vite, non, moi, je vais essayer, promis. Vous imaginez, on arrive à tuer tout le monde, quoi, ça c'est super. Ok, c'est parti. Ah bah, on a déjà trouvé un item, oui. Ah, c'est une clé. Mais qui plus fort là? Oui, je la prends, évidemment. Donc, on va essayer de plus fouiller, de tout regarder. C'est un peu moche de faire fouiller un passage parce qu'on n'a pas su fouiller. Ah, pas de professeur à cet étage. Merci Arsenal King Panda pour ton follow. Merci beaucoup. Ok, bah, j'ai pas le droit d'aller à cet étage. Je rentre en haut. J'ai peur maintenant, moi. Retournez chez vous immédiatement. On est tellement en colère. Ça me rappelle pauvre Monette qui est toute seule. Elle doit être un chaton affamé alors qu'elle est. Elle a un chaton du moins. Je vais tout fouiller. Il y a des bouilles, hein, là, je crois. Ouais. Très bien. J'essaie de tout regarder du coup. 1973-09-18. Je sens que c'est un truc à retenir, ça, non? Retenez, 1973, on est petit. Le Meeples, Wacky News. Le serial kidnapping s'arrête sur un meurtre. Après des mois entiers, nombreux enfants ont disparu. Donc, les autorités ont dit que c'était un kidnapping. Ils ont localisé les enfants, ils les ont trouvés. Ils ont été retrouvés dans l'école vers 7h en 1973, le 18. D'accord. Un mâle instructeur a été trouvé. Catatonique, je sais pas ce que c'est. Avec une paire de ciseaux serrés dans la main. Les corps ont subi des mutilations. Après, la page est ici. J'ai déjà entendu cette histoire avant. J'avais pas réalisé à quelque chose d'horrible. D'abord de sourire. On est d'accord. Ah, c'est quoi, elle devait crever, c'était sûr. Mais moi je devais lire un journal et c'est pour ça que je suis morte. C'est juste pour ça. Putain, c'est moche quand même, hein. Putain, le jeu qui te fait pas de cadeau, quoi. Façon A3. Oui.
mais c'est un professeur. J'ai entendu un de mes étudiants crier et je voulais essayer de le trouver. Je vois, c'est regrettable. Donc voilà, il nous répète la même chose qu'il avait dit à Litou. Ouais, j'ai compris, j'ai peur. Ok, faut tout que je fouille, faut tout que je lise, ça marche. Donc là, il répète la même chose avec l'espace fermé, etc. Là, il lui explique que le cri peut venir d'une autre dimension. Si vous trouvez l'endroit exact d'où vient le cri de votre étudiant. On ne sera pas probablement pas là. J'ai entendu sa voix. Oui, la vie de trois magnons est entre tes mains. Ouais, j'ai peur, hein, putain. Ah ouais, d'accord. Ok, donc apparemment le temps change aussi entre les dimensions, donc peut-être que c'est un cri du passé qu'on a entendu, ou un cri du futur, enfin voilà. Ah, peut-être que ça s'est passé il y a 5 minutes, ou il y a des heures, enfin voilà. Ok. Donc elle dit, allez, dégage, je veux juste trouver mon étudiant là qui appelle à l'aide. 0918. Dead duty. Okay. N'hésitez pas à me dire si vous voyez qu'il y a un truc que je lis pas. T'as peut-être entendu ton propre bruit quand tu avais le ciseau, donc peut-être. Faut pas tout dire tout le temps, soi-disant. Voilà. Pas compliqué. Il y a plein de trucs, l'armoire a l'air très lourde. Il y a plein d'outils. Oula, oula, la flamme est rouge. Ah mais c'est le... Je crois qu'on a énervé l'esprit là en l'envoyant en chier, ouais. Attends, le hanter. Oh, je vais me prendre l'armoire sur la gueule, vous allez voir. Non mais c'est pas possible, j'ai recommencé le chapitre quoi. C'est pas possible. Ouais, on m'a dit qu'en gros on est des gros égoïstes, je sais pas quoi, pas super. Les professeurs. Vous êtes que de vous. Vous n'êtes pas vraiment inquiet pour vos étudiants, c'est juste inquiet pour vous. Oh là là, ça fait vraiment mal. Vous me rotez, etc. Bref. Vous voyez un problème avec vos enfants, prenez juste à la distance. Parce que vous ne voulez pas essayer de le régler. On va essayer de garder sous les apparences, c'est exact. En gros, il dit que je m'en bats les steaks de mes étudiants, de mes élèves. Ça n'est pas vrai. J'avais rencontré un professeur qui se préoccupait vraiment des étudiants. J'avais. Tu te trompes. Ah, ça m'écrase, ça m'écrase. C'est pas possible, on a pas de peau.
tous les étudiants vont mourir de toute façon. Et s'ils ne succombent pas, enfin, s'ils ne meurent pas avant, ils vont succomber de dépression et tuer tous les autres. Ou se tuer avant. Sauver leur vie. Ce ne sont pas tes enfants, ce n'est pas leur mère. C'est temps vraiment de te soucier d'eux. Ils ont des mensonges. Là, tu vas crever dans cet endroit. L'expérience de ta mort, tu vas la revivre pour l'éternité. Super. Va être incommensurable, inimaginable. Tu vas la ressentir jusqu'à la fin de tes jours. Laisse-moi te. Ah, d'accord. Demande-moi de t'épargner, toi. Si c'est vraiment ce que tu veux. Sois honnête avec moi, parce que peut-être que je verrai pour sauver ta vie. Oh putain! Oh, j'ai un choix, les gens, j'ai un choix! Alors, est-ce que. Alors lui il me dit que j'en ai rien à carrer mes étudiants etc. Et que quand je dis épargne mes étudiants et tout, il dit non mais de toute façon tu mens etc. Donc vaudrait mieux que vu qu'il me prend pas, vaudrait mieux que je dis épargne-moi, non? J'ai peur, j'aurais bien dit épargne mes étudiants pour lui faire comprendre que voilà, moi aussi je me soucie vraiment de mes étudiants, mais bon. Autant que je fasse ce qu'il veut, non? Parce que lui, il a arrêté sur la question, il a pas l'air de me croire. Moi, personnellement, je vois ce que vous me dites, mais je pense que je vais pas changer mon choix. Pour pas me faire trop influencer, je pense qu'il vaut mieux que je supprime l'épargner moi. Vu qu'il me croit pas de toute manière. Laisse Siona décider. Ah oui, au pire, vas-y Siona. Il me croit pas en fait. Il me croit pas que je puisse en avoir quelque chose à foutre de mes étudiants. Donc, je pense que si je dis épargne mes étudiants, il va me tuer. Je pense. La musique bien stressante. Moi je pense qu'il vaut mieux le dire épargne-moi. Comme ça il est content, il a vu son délai. Alors est-ce qu'il va nous sauver la vie, je sais pas, mais. Dépêche-toi de choisir parce que la musique est très chiante. Moi je dirais vraiment épargne mes étudiants pour moi qui en est déterminé. Non, ça, tu dirais pas la même chose que moi du coup. Je sais pas. Coucou Lorenzo. Bon bah écoutez. Je t'écoute Siona, mais je suis pas sûr que ce soit la chose à faire. Mais... Tu toucheras pas la cheveux des étudiants, tu vois ça? T'es vraiment une petite salope. Je crois que c'est pas ce qu'il fallait dire. J'avais raison! La cage thoracique s'est cassée. Ah, je vous écouterai plus. On dirait que quelque chose appuie sur l'armoire avec une force surhumaine. Je perds conscience. Putain, troisième personnage qui crève. Et là, pour le coup, c'est pas de ma faute. J'aurais pu le sauver.
Ah, ça fait mal, hein, pour bébé. Il fallait lui donner ce qu'il voulait, Tout le monde vit. T'auras fait, mais une minute, quoi. Ouais, une minute. J'aime, je les aime tous. Enfin, bref. Adieu. Ah bah là, on aura bien une mauvaise fin, hein. Bien comme il faut, quoi. Ah là là. Bon. Nouveau tremblement de terre. On va essayer de sauver ces deux personnages-là, ça serait bien, non? Oh, Gina. Ah non, nouveau tremblement de terre. J'ai vraiment un mauvais sentiment. Je pense qu'on devrait chercher madame. Madame aussi, quoi. Mais si elle revient pendant qu'on est parti, on va souper. Je vais le chercher quand tu veux le tuer aussi, non. On y va, ok, ok. Et si on n'a pas de chance de la trouver, on va être sûr qu'elle revienne ici. C'est l'hécatombe, bah ouais, alors là. On va laisser une note. Voilà. Donc, à SH, qu'on est parti à sa recherche. On va regarder dans le bureau du professeur. C'est pas sans comprendre l'avoir la plus rapide. Mais en plus, moi, j'avais la bonne décision pour une fois. Merde! La faute à Siona, hein. Oui, on est parti vous chercher. Si vous voyez ce message, attendez nous aussi, on reviendra. C'est bon comme ça? Ok. C'est ta faute si on laisse un message ici. Elle est peut-être en danger. Ok, ok, de plus on va la trouver. J'ai aspiré. Je sais pas comment elle s'appelle. Ah, il y a encore des cheveux. Il y a une porte là. Je suis resté qu'il y a la nuit d'oeil et que tout le monde meurt dans la nuit. C'est toujours le même message. Ah, il y a un truc là-bas. Je crois que je pourrais passer. Bah, ça commence bien ce début de chapitre. Oui, oui, oui. Ah, mais attendez, mais il n'y a pas de porte. Ah non, elle est là, la porte. Oh, alors, je suis nul. Ah, il va me falloir une planche, je crois, pour aller chercher l'objet. Ouais. Il va me falloir une planche. Professionnel est parti. Ouais, il y a encore une petite chose dégueulasse. Mais attendez, je suis en train de partir pas du tout là où elle était. Peut-être pas le truc à faire. Ne fais rien que tu puisses regretter, pense à ta mère et à ton père, rappelle-toi leur visage. Ah, c'est pas le même truc que tout à l'heure. J'essaie de lui donner envie de me suicider. Du choix. Non, non, je suis là, d'accord. Tu es mort, non. En plus, c'est de ta faute. Au moins, tu peux pas m'en vouloir. Donc là, on est dans la pièce où elle est morte.
Donc on doit plus être dans la même dimension qu'elle vu qu'elle est pas là. Il n'y a pas l'armoire d'ailleurs. C'est le même. Ouais, c'est le même message. Ça ne peut pas être ouvert, c'est un truc de déco, je sais pas quoi encore. Il fait froid ici. Oh putain, on sent l'esprit mort du cadavre, je sais pas quoi. mentionne pas quelque chose de noir et terrifiant. Est-ce que tu as encore des bougies, des candles, des bougies que tu avais utilisées pendant que tu lisais l'histoire? Oui. Ah oui, donne-moi une sauvegarde s'il te plaît. On pourrait peut-être en allumer une. Là où la prof est morte. Cette bougie de moi, c'est vraiment un charme. Enfin, une protection, je sais pas quoi, un truc comme ça. Ah, ça a ouvert la porte qui n'était pas une vraie porte. Je suis mort tellement nullement. Ah bah moi aussi, mon personnage est mort en appelant des ciseaux, s'il vous plaît. Attendez, je sauvegarde. Ah, ça fait du bien. Ok, la porte s'est ouverte, mais y'a rien. What the... C'est vrai qu'on peut pas passer par là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le tremblement de terre? Chichido, où êtes-vous? Je suis vraiment inquiète. Elle est morte, la la la. Crasée sous une armoire, j'avoue. C'est pas fou quand même. Ah, et nous on peut passer par là parce que nous sommes pas nos professeurs. On peut y aller. Voilà. Si tu prends les tags des corps dans l'école, s'il te plaît, amène-les-moi à la collection. Si tu as vu une façon de mourir à un moment, je te dirai non. Ok, ça marche. What the... Watch! Ah, ça n'en repose, c'est bon, d'accord. Insistons pas. Photo d'enfants. Avec un adulte ou je sais pas quoi. T'en as déjà perdu 3 persos quoi. T'es où? Y'a rien dans ici? Non mais y'a rien. Bon, on va descendre du coup, je suppose. N'hésitez pas à me dire si vous voyez que je loupe des trucs à lire ou... On va essayer de sauver ce blondinet. Juste un brainstorm. Storm, je sais pas ce que c'est. Les gens t'appellent la reine de l'horreur ou je sais pas quoi. Pour une raison. Je sais pas de quoi ils parlent là. Je suis un peu perdu. Ouais, mets des sauvegardes, s'il te plaît. Quatrième mois pour ce soir. Non, ça suffit. Je garde des persos en vie. Ah, ça laissera un signal pour Moshida et les autres. Voilà, comme ça ils sauront qu'on est. On est vivant quoi. Elle essaie de se rassurer toute seule. Si ça peut la faire sentir mieux, tant mieux. Ok, allons-y. Donc ouais, c'est bien, moi j'aime bien qu'elle laisse des sauvegardes comme ça. Ça me va. Hein. Disons qu'elle a une idée, d'accord. Ok. Ah, on a enfin un peu changé de musique.
Bon alors, est-ce que je peux ne pas mourir? En fait, on a déjà loupé un objet au début qui aurait pu être pris par moi pour protéger les deux enfants. Ah bon? Genre l'objet... Ah mais on pouvait... L'objet violet qui était dans la pièce, mais on pouvait pas le prendre. Ça marche, arrête, des gros poutous. Je suis contente que ça t'ait plu. Dors bien. Ah, on est dans l'entrée. Ouais, donc ça, on dirait que ça a été peint encore, ça peut pas être ouvert. Parfait. Et une note là-bas. Bientôt 2h quand même. C'est vous qui avez voulu que je commence le chapitre 2. C'est pas grave, on est en week-end. Si vous tournez un moment, arrêtez-vous un moment et demandez-vous. Pourquoi est-ce que vous revenez toujours là? De quoi? Bon, ouais. Et de toute façon, il me faut une planche pour récupérer l'objet. Hein. Oh là, il n'y a pas de cadavre. Oh, on est là. Ce sont des os humains. Ah mon dieu, non. Je suis en train d'accord, c'est encore mieux que nickel, bon, ça va. Tu as encore le temps de voir d'autres persos crever avec moi. T'as raison, frère. Shinozaki. Est-ce que ça va, Shinozaki? Ça va. Juste en hyperventilation un petit peu. Bon, alors, allons-y, il faut trouver Madame Shihido. Elle est morte. Elle est morte. Mais oui, chat Yoshi. Ça a été là, C'est sûr que ça pourrait calmer Ayumi. Qu'est-ce que t'attends? Allez, on y va. Ok, ok. Regardons tous ces cadavres. Allez, on ramasse la carte étudiant. Qui savait? Est-ce que t'en veux ça? Faut vraiment qu'on reste tous les deux ensemble. Ok. Je ramasse toutes les trucs étudiants. Évite pas les mauvaises vers les attirer. C'est pas vrai. Moi, et oh, pour le professeur, moi j'avais trop. Enfin, je pense hein, que le choix que je voulais faire allait la sauver. Donc, hein. Pour une fois, j'allais sauver quelqu'un. Petite mémoire. Je déteste mes amis aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je les attends. Y a rien à manger ici. Donc on a décidé tous ensemble d'essayer de survivre encore un peu plus. Si un jour je rentre chez moi, je suppose que. Enfin, que je dise à tout le monde ce qui s'est passé. Ah, ils sont mangés. Ils sont mangés entre eux, ouais. On a fait le jeu du papier, ciseaux, caillou. C'est pas dans ce temps-là, je crois, mais normalement. Les perdants mangeaient les gagnants. Hein? Bah non. Ça devait être le contraire, normalement. Et j'ai perdu. J'ai senti le sang couler dans ma gorge pour la première fois. C'était satisfaisant, je sais pas quoi. Et sauf que c'était mon ami lui. Après quelques heures, j'ai commencé à parler avec lui. Je crois que je pense à ça, j'ai envie de pleurer et j'arrive pas à m'arrêter. J'ai décidé de garder ses yeux, oui! Comme ça, moi, je parle.
J'essaie d'écrire aussi le journal pour essayer de pas devenir fou. Ils sont où les yeux du coup? Super. Putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette chambre? J'aime pas du tout. Shinozaki? La tête! Est-ce que ça va? Charmante petite histoire, oui. On ne devrait pas être là. Eh ben, cassons-nous. On ne devrait vraiment pas être là. Et voilà, il a l'air de rien avoir. Non mais on se casse. Moi, si elle me dit qu'on doit pas être là, on se casse. Nos problèmes. J'ai pas envie d'avoir une fin merde de merde, encore. Hein. Ça suffit. Il y a encore des photos de petits enfants. Après, est-ce que je peux aller quelque part d'autre? Je ne sais pas, mais... On va essayer d'aller autre part, écoutez. Moi, je ne veux pas crever. Là, 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 là. On me dit, il faut pas y aller, j'y vais pas, hein. Ah bah oui, on était déjà passé par là avec les autres. Hein. Je reconnais. Pourquoi, sister? Ça fait mal, ça fait mal. Après que je suis mort, la douleur continue pour toujours. Oh! Si, tu m'as menti. T'as dit qu'on resterait toujours ensemble. Je te parle pour la chaleur. Bonjour. Je te déteste, sœur. Ça fait mal. Ok, casse-moi. Porte est fermée. Ouais. Bon, du coup, je suis obligée d'y aller. Ouais, je crois, ça j'ai pas le choix. Niou, mais je veux pas mourir. S'il vous plaît. C'est une musique bien inquiétante. Ouais, y a plein de choses, je comprends rien. What the hell? Il y a un fantôme. Oh non. Ok. Mais donc je suis pas peur comme ça. Chloé. Tu ne dois vraiment pas regarder ses yeux, d'accord? Oh putain, je sens que je vais fail. Juste pas le regarder de face, du coup. J'ai peur. J'ai peur, les gens. Alors, une clé toute rouillée et plein de sang. Oui, prenons-la. Nail puller. Non, c'est pas une clé. C'est un... Mais attendez, là, pour partir, je suis obligée de le regarder dans les yeux, non? C'est un levier. Comment je fais pour repartir sans le regarder? Non, c'est bon. Barrons-nous. Tout s'est bien passé, je suppose. Attends, pouleur, ouais, c'est bien un levier, non? C'est un... Attendez. Tout, là. Nail puller. Make of iron. J'ai évité une mauvaise fin. Oui. Trop bien. Et j'en fais quoi du truc que j'ai ramassé là? Toujours elle là. Un truc pour retirer les ongles. Pour retirer les ongles. Okay, mais qu'est-ce que je vais en foutre du coup? Tu veux que je te retire les ongles? Non.
mais je l'avais pas pris la carte. Merde, je sais pas où faut que j'aille du coup. J'aurais bouffé la terre jusqu'à suffoquer à mort. Super. Putain, on a enfin évité une mauvaise fin, c'est beau. Elle a pas une tête toute bizarre là? Qu'est-ce qui se passe? Ayumi? Oi, Shirozaki! Doko ikun da yo? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Elle est partie où? Non, elle a dû filer tout droit, je pense. Non, je crois qu'elle va pas très bien avec lui, non. Oi, Shinozaki. Shinozaki, qu'est-ce que tu fais là? Personne dit ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur. T'as les possédés, je crois. Elle a 7 ans. Merde. Qu'est-ce que tu fais? C'est dégueulasse. Pourquoi tu me regardes comme ça? Barrons-nous! On peut se barrer et la laisser toute seule? Yumi? Mais pourquoi il l'appelle Shinozaki alors qu'elle s'appelle Yumi, je trouve? D'autant fille. Ah oui, pardon. Hein? Qui joue de bas? Qu'est-ce qu'il veut pas? Je s'en rappelle de rien. Nickel, tu disais des trucs vraiment bizarres là, juste à l'instant. Tu peux te barrer. Ah, j'aurais dû me barrer. Merde, j'aurais dû me barrer et pas lui parler. J'ai un petit problème avec les mots familiales, ouais. Ouais, ça doit être la pression. Non, en lui parlant, tu viens d'éviter une mauvaise fin. Ouais. C'est tellement génial de me dire ça, à chaque fois ça me fait du bien. En plus, j'ai vraiment failli, hein. J'ai vraiment hésité, puis je me suis dit, non, c'est pas bien. Ça devait être juste mon imagination, mais non, on l'a vu péter un câble. Mon dieu, elle joue bien là. J'ai évité deux mauvaises. Nanda. Makkara da. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a un fantôme qui m'a couru dessus. Et où je suis, il fait vraiment noir. Shinozaki, Madame Yu, Satoshi, où sont tout le monde? Où est-ce que je suis? Est-ce que je rêve ou je sais pas quoi? Je ne peux pas jouer. Je ne peux pas bouger, pardon. On dirait qu'il y a des murs. Je sais pas quoi. Je suis dans un trou, je sais pas quoi. What the... Nare... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Yamero! Ah, j'ai du gravier dans la bouche ou je sais pas quoi. Je me fais enterrer? Oh non! Je vais suffoquer, putain, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure! Mais j'ai rien fait, je suis juste sorti de la pièce! Tu viens de prendre une mauvaise fin, mais non! Mais non, j'en ai marre! Mais j'ai rien fait! Je suis juste sorti de la pièce! On t'enterre? Ouais, je crois bien, ouais. Mais attends, mais là, je comprends vraiment pas, quoi. Non mais là je suis pas d'accord, j'ai rien pu faire. Pourquoi du coup je meurs? Je comprends pas. Et si c'est encore parce que j'ai mal fouillé ou je sais pas quoi? Ce n'est pas drôle, arrêtez! Les yeux me font mal. Il y a les os qui doivent se casser ou je sais pas quoi. Je veux bien s'en faire exprès. Mais non!
Game over. Chapitre 2. Mauvaise fin, 1 sur 4. Le ghost a foncé dessus. Mais je pouvais pas l'éviter. Ah non, mais attendez, là, je suis pas d'accord. Fallait réagir, il y a un passage où il te poursuit, ça devait être là. Mais j'ai même pas le temps de comprendre qu'il me poursuivait, il était déjà sur moi. Mais non, mais je suis vraiment pas d'accord.